N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Je contiens de la nudité. Ah bon. D'ailleurs, on va vérifier si l'option est toujours bien nudité éteint. Ouais, ouais. On vérifie, on sait jamais quand même. Du coup, normalement, le son. Peut-être que le son est un peu fort, mais je crois que après, en jeu, c'était un petit peu faible. Coco Maki. Pas de soucis, bah on a juste blablaté, on a parlé des seins. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on est reparti sur Zookosis, parce qu'on s'est arrêté la dernière fois, alors qu'il se passait à peine des choses. Zookosis, du coup, qui est un jeu où on travaille dans un zoo, qui est avant tout un jeu de gestion au final. C'était un peu la surprise, je m'attendais pas à ça, mais why not, écoutez. On doit s'occuper des animaux, on doit les soigner, regarder s'ils vont bien, leur donner à manger, etc. Mais on est censé être gardien de nuit, mais on fait tout ça. Mais il se passe des choses étranges dans ce zoo. Il se passe des trucs très étranges. Et on est enfermé dans le zoo. Oh, elle est trop mignonne. Oh. Et on a vu la dernière fois un gorille se transformer. En fait, il y a une espèce de... Apparemment, ils font des expérimentations dans ce zoo et le zoo est fermé depuis très longtemps. C'est un peu FNAF dans ce sens-là, un petit peu. Et ils injectent en fait un parasite, je crois, dans. Non, je dis n'importe quoi. Ils font des expériences dans le zoo, mais on a découvert qu'il y avait des animaux qui étaient infectés par un parasite et après ça les fait muter. Voilà. Et du coup, la dernière fois, on a vu un gorille muté, et c'était pas cool. Et on a dû le tuer, mais du coup, j'ai mal fait mon truc. On m'a donné quelques détails, quelques petits tips. J'espère qu'on va mieux réussir ce soir. Écoutez, nous verrons bien. Nous verrons bien. Je sais pas si j'ai bien résumé. J'ai un peu galéré. Oui, non, mais en fait, il y a des expérimentations, il y a des scientifiques, apparemment, il y a des expérimentations dans le zoo, mais il y aurait apparemment une mère, et c'est la mère qui donne ces fameux parasites aux animaux, on ne sait pas de quelle manière, et les scientifiques étudient la mère, je crois, un truc dans ce genre. Voilà. Et puis surtout... Ah merde, je suis pas au hub. Mais surtout... Ils nourrissent les animaux affectés avec de la viande. Mais pas n'importe quelle viande, de la viande humaine. Voilà. Du coup, c'est pour ça la nudité. Bref, normalement, là, on est à la Penguin Station. J'ai trop hâte de voir les pingouins. Est-ce qu'on avait fait la nourriture pour les pingouins? Je me rappelle plus. Je sais plus, j'ai un doute. Hein. Poisson. J'avais peut-être déjà préparé, je sais plus. Et alors dans infecté, regardez, on peut nourrir. Il y a des recettes aussi pour nourrir. En fait, il faut bien que... On m'a dit, il faut bien... Merde. Il faut bien que je regarde les maladies qu'ont les animaux, parce qu'apparemment le parasite va cloner la maladie et après va se transformer. Mais bref, on va essayer de mieux faire, Ouais, je crois que j'avais préparé la bouffe. Donc on va sortir comme ça. On va déjà voir comment ils vont. Et faut peut-être que je les soigne vite. Merde. Avant qu'ils mutent. Le papa pingouin. Oh putain, c'est vieux ça. Coucou Lina, tu vas bien? Coucou Kouzik, je t'ai dit bonsoir, je sais plus. Alors la dernière fois, on a fait les girafes. Après, on a fait les wallabies. Et après, on a fait les gorilles. On s'est arrêté aux gorilles. Et là, maintenant, on va faire les pingouins. Et après, il y aura encore les hippopotames. Les hippos, ouais. Et je sais plus quoi d'autre. Bienvenue dans l'enclos des pingouins. Ah. Ok. C'est parti. Oh, ils sont trop choux. Oh, il y a Coco. Coco, Daisy, Timber,
Et Luna. Attendez, mais. Il y a Coco et Luna. Qu'est-ce qu'ils font dans le jeu? Ah, vous êtes des pingouins en fait. What the fuck? C'est quoi ce bruit adorable qu'ils font là? On va les nourrir. Alors apparemment, il faut pas que je fasse qu'une dose de nourriture aussi, c'est pas assez pour les nourrir. Ah mais il y a Rocky. Ah mais en plus vous êtes beaucoup. Laissez-moi passer. Parce que là vous voyez, là je leur donne à manger. Mais du coup je vais peut-être pas avoir assez de poissons, fait chier. Et je suis pas sûre qu'il y en ait pour tout le monde en fait. Ils sont beaucoup trop choux. D'où on est des pingouins? Vous êtes des pingouins? Regarde, Coco il est là. Ah, il m'a regardé direct. Et Luna. Voilà. Vous êtes là. Vous êtes des pingouins. Bon alors Misty, on est à la bourre. Comment je sais s'ils ont mangé par contre? Oh le bruit qu'ils font par contre, la vache. Je vais aller. Pardon. Je vais aller chercher tout de suite le truc à caca là. Truc à caca. Donc on récupère les crottes, on récupère du sang. Par contre je sais pas comment je sais s'ils ont mangé. Eux ils ont mangé. Ah ouais, s'ils font cette bouche c'est qu'ils ont pas mangé quoi. Possiblement. Je cherche des caca. Bah alors? Ah bah il a fait caca. Ça c'est le bruit quand il fait quand il faut caca. D'accord. Ah, ce bruit. Ah, Luna fait caca. Bon bah Luna, écoute, je ramasse. Hein. Je peux leur faire des caresses. Ou quand? Putain, il reste encore de la nourriture, donc là ils vont peut-être tous manger pour une fois. Attendez, là je fais la chasse au caca. Ah, pardon. Est-ce que vous avez tous fait caca? Je pense pas, hein. Oh, genre, c'est leur petit spot. Oh, je te caresse. Oh. Oh, oh mon bras. Oh, oh. Oui, parce que je suis infectée aussi, on a oublié de le dire. Le mec, au tout début, quand j'étais encore en train de passer entretien d'embauche, il m'a injecté un truc et en fait, il m'a infectée avec le parasite. Voilà. Du coup, je suis dans la merde. Mort. Mort, trop chou. Mort. Mort, c'est trop mignon. Merci, Coco et Luna, pour votre participation aux analyses de caca. Ils font tous dodo, c'est trop chou. Putain, mais c'est là que j'aurais pu leur soutirer du sang. Attendez. Alors, je sais que j'ai pas tous les caca, hein, mais... C'est quoi déjà le truc du sang? Là. Merde, ils vont tous se réveiller en même temps. Pif! Bouge pas. Hop, je prends ton petit sang. Voilà. Mort. Donc oui, c'est un jeu d'horreur, hein. Il y a des phases horrifiques. Mais c'est avant tout un jeu mignon. Oh. Le pauvre, il est en train de pioncer. Je viens avec ma grosse seringue. Hein. Allez, Luna, c'est l'heure de la piqûre aussi. On ne bouge pas. Attention. Attention. Hop. Coucou, Alexis. Tu vas bien? Si, de ne pas avoir de pingouin mutant. Attends, ça peut arriver encore. Hein. Le gorille, la dernière fois, et on l'a pas eu tout de suite. Hein. J'ai fait un aller-retour au truc parce qu'il me manquait quelque chose et... Ok, j'ai pas eu les piqûres de tout le monde. Ah, et du caca. Je pense qu'il y a moyen d'être mieux organisé, mais je crois que c'est assez... Oh, pardon. Oh, purée. Pardon. Désolé. On m'a mis un truc dans le nez à l'hôpital, j'arrive pas à m'en remettre. Hop, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres caca? Coco, est-ce que tu as fait caca? Je pensais jamais poser cette question. Il y en a un là. Est-ce que je les ai tous eus? Je fais un dernier petit tour vite fait. Ça n'est pas un. Okay, j'en vois pas d'autres. Mais il faut encore que je regarde leur température et tout. Ouais, je disais, il y a peut-être moyen d'être un peu mieux organisé, mais je pense qu'en fait, c'est pas mal de d'entraînement et tout. Et voilà, ça se fait petit à petit, quoi. Coco, Rocky, Misty. Allez hop, j'en ai eu trois d'un coup. Ah, il y en a un qui a un peu de fièvre, hein. Daisy et Tinker. Mais ils sont combien? Il y a Luna qui passe. La tâche est terminée. Ok, la température ça a l'air d'être bon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lampe de poche UV, ça par contre j'ai pas compris. Mais le jeu, on m'a dit que le jeu manquait un petit peu d'explication quand même. Fallait un peu fouiller par. Pardon, ouais je sais, c'est pas agréable comme bruit, pardon. C'est pas. Là, y a pas tout qui est super bien expliqué non plus, vous voyez. Tu me laisses passer, merci. Vas-y. Luna. Misty, je lui ai fait déjà. Qui j'ai pas fait? Rocky. Ils aiment pas. Hein. En même temps, vu le bruit que ça fait. Coco. C'est bon, j'avais tout su, ouais. Je crois que j'ai pas tous les caca et tout parce que ça m'a pas mis tâche terminée. Ah, mais il faut que je soumette aussi. Ouais, je vais aller soumettre déjà ce que j'ai. Dans tous les cas, je vais fermer ça. En tout cas, il y a Misty déjà qui est pas bien. Par contre, cette fois, j'ai l'impression qu'ils ont tous mangé. Mais il faut, je pense, à préparer double dose de bouffe, en fait, à chaque fois, au cas où. Non, merde. Là. Je crois que t'as oublié un sang. Ah, je reviendrai au pire. Là, je sais plus qui j'ai pas pris en fait. Et je peux pas le savoir tant que j'ai pas mis le sang à l'analyse. Hop, déjà on va récupérer les caca. Pareil pour le caca, s'il m'en manque un, au moins je saurais qui c'est. Et ça c'est pour les parasites à droite. Bonjour monsieur Pagouin, Elie Soucet de Cache Investigation, pourquoi vous coupez? What? Ah, c'est une rêve que j'ai pas, mais ça m'a quand même fait rire. C'est. Seringa so. Allô? Là. Je sais pas si j'ai besoin d'avoir le truc avec moi en fait. Du coup. Hein. Diagnostic. Il me manque... J'ai tous les caca, mais il me manque 200. Il me manque Tinker et Rocky. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois... Je me trompe peut-être, hein, mais il faut au moins deux symptômes. Là, s'il me manque que le sang, j'ai envie de dire... Je pense qu'ils sont pas malades. Ils ont pas de température et tout, en plus. J'ai envie de prendre le risque. Misty, par contre, elle va pas très bien. Alors, température, son et caca. C'est la grippe. Ok. Donc... La grippe. La grippe. Traitement des maladies du sang. La grippe, c'est ça. Fluéas. Et du coup, si jamais, c'est ce qu'on m'a expliqué. Si jamais quelqu'un l'a muté là. Il y aurait moyen que du coup ça soit lié au truc de la grippe.
faut pas que j'oublie ça, hop. Et du coup, pour trouver plus vite là dans les recettes et tout, faudrait que je regarde par rapport à la grippe et voilà. Je sais pas si ça, ça... Eh ben voilà. Eh ben fuck. Et c'est Misty ou pas? C'est Misty? Oh putain, elle vole! Nom de Dieu! Mais du coup, ça sert à rien que je lui mette le truc de la grippe, on est d'accord. Hein. Alors, attendez. Du coup, on va pouvoir tester ce qu'on va expliquer. Là, normalement... Comment ça s'appelait, flux? J'ai dit quoi, flux, quoi? J'ai pas vu à laquelle c'était. Pour l'élimination, tu parasites. Maladie du sang, mimant la migraine. Infection bactérienne. Imitant la colique. Imitant la grippe. Voilà, normalement c'est celui-là qu'il faut que je mette. Par contre, il faut que je récupère un sang animal. Comment je fais? Ça, j'ai pas compris. Comment je récupère? Ah, peut-être que je l'endors. Ah, je l'endors. Un tranquillisant. Je pense que je fais un tranquillisant. Ouais, du coup, plus de porte pour l'enclos. Hein. Tranquillisant et j'essaie de récupérer du sang. Ah, ok. Du coup... Fluorérase, non. Tranquillisant, ouais. C'est parti. On va essayer de faire les choses bien, de la soigner cette fois. Il me faut son sang et après je pourrais faire le médicament. Oh putain. Elle bouge trop! J'ai eu ou pas? Je l'ai pas eu. Fuck. J'en ai un autre. Bougez les filles, bougez! Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit filles, mais... J'aimerais bien qu'elle se pose. Mais je l'ai pas eu. Ah si, je l'ai eu. Mais elle est trop loin. Je peux pas monter. Mais non, mais... Mais je peux pas monter. Mais c'est une blague. Mais... Je peux... Mais non, mais je peux pas monter. Pourquoi il a fallu qu'elle se pose ici? Pic-luc-cul. Mais non, je peux pas monter ici, quoi. Putain. Bon, attendez. C'est pas juste du sang de pingouin? Ah, vous pensez? Moi, je pensais que c'est le sang de... Why not, hein, je vais essayer. Hein. Quelqu'un va me donner son sang? Non, personne. Personne veut me donner son sang. Personne veut, hein. Ça a pas l'air d'être... Tu peux prendre n'importe quel animal. Ouais, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Luna, donne-moi ton sang. Sois gentil. Sois mimi, Luna. Elle veut pas. Ah, mais ils sont tous excités, là, aussi. C'est eux qu'il faut tranquilliser. Ah putain, mais d'accord, ok. Non, mais on va y arriver. Écoutez, c'est le temps de... Et du coup, j'ai plus de tranquillisant. Non, mais vous avez vu, j'avais compris ce qu'il fallait faire, mais juste, je savais pas... En fait, ouais. Je savais pas qu'on pouvait le faire sur n'importe quel animal. Je pensais qu'il fallait le faire sur l'infecté, quoi. J'en fais plusieurs, comme ça j'en ai. Ah, ok. Et vite, 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 j'ai pas envie qu'elle tue encore des animaux. Voilà. Ok, c'est parti. Ah non, mais j'y étais presque, écoutez. Paf! Bah, ça marche pas, hein. Mais bons amis, ça ne marche pas. J'ai tranquillisé un pingouin pour rien, là. Non! Merde!
En plus, c'est Coco. Natacha a échoué. Mais non, mais putain, mais ouf ton truc, bordel. Coco, tu es mort. Ah bah je peux peut-être récupérer ton sang du coup. Attendez. Ah bah non, mais je peux même pas récupérer son sang quoi, OMG. Mais... mais ça marche pas. Ah bah ça y est, il dort. Il dormait pas tout à l'heure. Oh putain, il a mis 1000 ans à s'endormir. Ça a bugué. Ah Coco, je suis désolée. Aïe aïe aïe. Ah je suis coincée. Je suis coincé. Caressé. Mais non, mais moi je veux bouger. Tiens, petite caresse. Merci, tu m'as donné ton sang. Moi. Bon. Je crois que c'est le temps que ça fasse effet. Ah, ça m'a débloqué. Oh pétard quoi. Bon. C'est parti. C'était lequel du coup? J'ai oublié. Hein. J'ai oublié. Grippe. Faut que j'en fasse 3. 1. Ah ouais, mais il me faut 300 du coup. Oh putain, fais chier. Bon, je vais en faire des tranquillisants. On va y arriver. Prends. Bon, déjà, je vais lui foutre la première fléchette, écoutez, ce sera fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tranquilliser un animal pour récupérer son sang. En fait, les infectiez-tu, c'est une question de temps. Je sais pas du tout. Ah, mais il est encore tranquillisé, vite. Ah, je suis désolée, mais tu vas être ma pompe de sang, là. ma banque de sang. Je peux le faire encore une fois ou pas? Oui, parfait. Ah ouais, désolé, hein. Je suis désolé, c'est toi qui prends tarif. Par contre, je suis encore bloqué, quoi. C'est dingue. Ah, tu peux bouger maintenant que t'es réveillé, s'il te plaît? Parce que je suis bloqué. Je suis encore bloqué. Ah bah là, je suis foutu en fait. Ah oui, pourquoi j'en ai que j'ai 3? Ah mais ça le fait direct 3? T'aurais dû le caresser. Non mais je devrais pas être bloqué déjà en fait. Okay, là je suis en train de le soigner. Je te soigne mon ami, je te soigne. Tu veux pas m'attaquer, ça me débloquerait. Oh il m'a emmené. Oh bah parfait. Au moins ça me débloque. Merci beaucoup. Je vole. Aïe. Ça c'est dingue que je puisse bugger comme ça. Oula. Ça vomit un peu. Il est où? Quoi? Mais si, j'avais chargé. Mais non, il va en tuer un autre. Mais bouge ton fiac! Ah putain, j'ai pas eu le temps de m'enlever. Ah, je vais crever, hein! Non, mais je vais perdre tous mes pingouins! Coucou! Chaque attaque des contaminants accélère ta mutation. Ah, c'est pas dingue ça. Est-ce que je l'ai chargé du coup? Non. Il est où hein? Paf! Putain, il a eu le temps d'en tuer un autre quoi. Je l'ai pas eu? Si, je l'ai eu! Ah, il faut que j'aspire cette merde là! Rocky! Ah, c'était Rocky? C'était même pas Daisy?
Allez, je vais vite chercher l'aspirateur. Putain, j'ai perdu combien de pingouins du coup là? Ah oui, merde. Attends. Non! Non, lâche! C'est pas évident hein, le jeu. Hein. Je trouve qu'il est pas. Putain, j'ai rien demandé. Il est pas évident à prendre en main quand même. Hein. Putain, mais du coup. Je vais bientôt crever alors. Vite, vite, le parasite! Ah, il est encore vivant, la saloperie! Bon. Oh, Tinker! Putain, mais du coup, faut être super rapide pour qu'il en tue aucun. Et Coco! Rip Coco! Nous ne t'oublierons jamais! Oh! Je suis désolée, mes lapins! Tiens, je te fais une petite caresse. Non, c'est pas des lapins, je sais. Mon bras est plus dégueulasse qu'avant, je crois. Bon bah ouais, rip, hein. Il te silence pour Coco. Bon bah je peux pas fermer l'enclos, donc bah on va le laisser ouvert. Je vais aller voir au storage, parce qu'on va commencer à fouiller un maximum. Bon, on commence à comprendre un peu comment on doit jouer, mais c'est pas évident. Hein. Et comment je dois faire pour pas me faire attaquer? Faut juste que je cours ou... Je sais pas. Il m'arrive quelque chose d'étrange, une envie irrésistible de manger cette viande crue. Quoi? Ma main a saisi un morceau tout seul et je l'ai dévoré presque sans mâcher. Ce goût sucré dans ma bouche. Je pense que tu mutes, monsieur. Ah, mais moi aussi, je vais avoir envie de manger de la viande, là. C'est sûr. Je prends des trucs, ça c'est pour faire les médocs, hein, donc je prends. Bon bah écoutez, je suis un peu triste. Mais bon, au moins on a réussi à sauver l'infecté. Il y a un peu de mieux, malgré tout. Ah merde, le parasite. Donne de la viande aux contaminés, ça les calmera, tu pourras les soigner plus facilement. Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, j'aurais pu faire une recette. C'est vrai, j'ai oublié. Donc la prochaine fois qu'il y en a un qui mute... Bon, on peut pas les empêcher de muter par contre. Si je les soigne plus vite, je sais pas. Parce que je suis pas assez rapide. Je sais pas si c'est une question de rapidité ou si... Ou genre si ça doit arriver, ça arrivera forcément. Oui, il faut que je leur donne à manger. Après que je tranquillise. Que je prenne 3 fois le sang. Quoi, Dravis? Pas simple, hein. Bon, on va retourner au hub. On va faire les recharges. Mutation est scriptée, ah d'accord. Ah c'est dommage que ça soit scripté, donc ça arrivera forcément à chaque fois que j'aurai fait les analyses quoi. C'est un peu dommage, du coup il n'y a pas la surprise. Bon. Coucou Blueberry. Alors, mais là c'est même pas celui qui était malade en plus qui s'est transformé, c'est ça qui est bizarre. C'était pas Daisy, c'était Rocky, on est d'accord? Ou alors j'ai mal vu. Retournons au hub. Écoutez, au moins, petite victoire, on a soigné l'infecté. On ne l'a pas tué. Parce que le premier est infecté, on l'a tué. Parce que j'étais en panique. Du coup, le sang pour le médoc, tu peux en prendre qu'une fois. Ah bah oui, vu que ça me fait 3 fléchettes d'un coup. Bah oui, oui, oui. Ah ouais, j'aurais pu éviter qu'un pingouin de plus ne meure quand même. Aïe, 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 aïe. Bon. Pas de viande à découper cette fois-ci, non? Je vais juste fouiller assez vite fait. Voir si je vous plie pas des médocs ou je sais pas quoi, je sais pas où. Ah, je peux aller là? Je suis pas allé là. Ah non, je peux pas aller là. Genre là, il y a quoi? Salopette! C'est une belle salopette. Moi, je dis que c'est une très belle salopette. On peut pas prendre la hache, fracasser la porte et sortir. Parce que du coup, on fait ce boulot pour nourrir notre famille. Ah oui, famille! À laquelle, donc, qui apparemment meurt de faim.
on a donné de la viande qui vient d'ici à notre femme. De la viande humaine, du coup. Voilà, c'est ça. Là, il y a des trucs. Je prends les trucs. Je prends ma truc. Bon, là, il n'y a rien, de toute façon. Ok. Ah, mais il y a la voiture de l'autre méchant, là. On va reprendre de la Boostify. Et du coup, le prochain... attendez, je regarde. Prochain endroit où je vais, c'est où? Chariot à briquette n'est pas connecté. Ah ouais, mais je voulais voir quel manger il fallait que je fasse. Bon, de toute façon, je vais prendre de tout. Mais il nous reste encore zèbre, hippopotame, éléphant et élan. Sarah, la petite Dory, c'est un jeu mi-gestion, mi-horreur. Où en fait on travaille dans un zoo, mais il y a des trucs pas nets et il y a des animaux qui se transforment en monstres, etc. En gros. Alors, je vais reprendre. Le jeu a 23 fins. Ah ouais, quand même. Putain, la vache. Il y a quoi en dessous là? Parce que j'ai un peu de poisson, j'ai pas mal de viande. Et je deux trucs comme ça, deux trucs comme ça. Là, je vais reprendre au moins un truc de végétal. Ah, je peux pas, merde. Ah, bon bah... Bah non alors. Du coup. Bah du coup non. Je pensais pouvoir me charger un peu plus. Ça c'est pourquoi? Je sais pas. Bon bah, let's go, on y retourne en fait. Ça a l'air sympa, c'est plutôt drôle. Je coule, on va retrouver femme et ou enfant sur le crochet plus tard. Ouais, y'a moyen. Y'a moyen. Mais c'est ouf comme le personnage principal, il est en mode... Oh, mettre des gens dans la broyeuse? Pas de soucis. Ok. Vraiment, il a dit non, mais 3 secondes et après il a fait... Oh bon. Allez. Soyons fous. Mais je peux pas aller aux zèbres. Il faut que je retourne aux girafes. Comment ça se fait que j'ai pas la deuxième partie du zoo qui est débloquée? Je sais pas. Bizarre. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas fait? Vérifier l'enclos des pingouins. J'ai pas fini de vérifier l'enclos des pingouins. J'ai vérifié l'enclos des pingouins. C'est pas coché. C'est bizarre. Il faut que j'y retourne. Des bisous, oui. Chronique Meuse. Pas le goût de neuf en fait. Pour l'élan, faut avoir fait 3 fois le jeu. Hein? T'as pas soigné la grippe? Ah! Oh, Rocky! C'est toi qui as bouffé tout le monde! Saloperie! Bah ouais! Ouais, fais le malin! Ouais! Oui, c'est qui? C'était Daisy qu'il fallait. Elle est pas morte, Daisy? Grippe! Ouais, j'ai complètement oublié. Luna. Oh mais Misty elle est malade aussi. Paf. Mais c'était pas Daisy? Ah non c'était Misty. Ah autant pour moi, c'est bon. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est sain et sauf. Bon bah là du coup c'est bon. Mais du coup je dois faire quoi maintenant? Je refais les girafes du début? Coucou est content en plus, oui! Je vais peut-être me transformer en fait. Ah oui, il y a moyen. Je pense que je vais bouffer ma femme! Ou mon fils! Ou un bout de choc. Je sais pas. Terminer plusieurs fois le jeu pour avoir des nouveaux animaux.
Mais du coup, le jeu doit être très très court alors. Là, on l'a peut-être déjà fini. Ouais, on l'a peut-être déjà fini. Ah, oh, on va bouffer notre femme. Chérie. Qui vient manger ce soir? Ah, yes. Elle en a mangé 3 parts, la gamine. Hello. Ils vont me l'amener sur le crochet. Pas sur le crochet, juste comme ça. Good morning, Paul. How was your night? It's time to feed the mother. Il est temps de nourrir la mère. Ah, je vais nourrir la mère. Mother likes her food to flutter and squeak. Don't worry about your wife. I think she'll make a great dessert. Really, Paul, you didn't think. Bon, ben j'ai la pire faim, voilà, du premier coup, Bess. Kiki était étonné dans le chat. On va voir la mère. On va. Oh! Oh non, on n'a pas vu! On a vu juste des mains! Paul n'a pas sauvé le journaliste. Quel journaliste? Il n'a pas prévenu Lily de l'origine de la viande. Et sa visite avec un repas à base de viande lui a été fatale. Lily est tombée. Putain, laisse-moi le temps de lire! En mémoire d'Alexander Dagan, le scénariste de Zoukosi, c'est notre cher ami de la part de Clapperhead. Oh, c'est triste. J'ai pas eu le temps de lire la fin, quoi. C'est l'abus. Quelqu'un a eu le temps de screen ou... Putain, je prends une photo à la prochaine. Faut sauver la meuf si tu veux les good endings. Ouais, Coco, ouais. Ok, donc c'est court à ce point-là, d'accord. Donc là, on va pouvoir recommencer. Ah, c'est assez particulier, mais why not? Le seul truc qui est dommage, c'est que ça risque d'être vite redondant, mais bon. D'un côté, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir pas mal de fins, vu que le jeu est relativement court. Écoutez, go pour une deuxième fin, hein. Après, oui, on va peut-être mieux y arriver, quoi. Je vais m'essayer à la composition musicale. Oh, trop bien! Sinon, vous le faire. Non, mais, bah, écoute, amuse-toi bien, ça va être trop cool. Des bisous, bonne soirée. Et apparemment, ouais, j'ai le choix ou pas de tuer la femme au début, d'accord. Donc je peux ne pas le faire. Et moi, je l'ai tué. Bah ouais, mais moi, je suis une bonne patte, moi. Moi, je suis une bonne patte. Tu me dis, vas-y, tue la meuf. Ok. Pas de soucis. Ok. Mais y a du monde, dis donc. Un nouvel animal est disponible! J'ai l'élan! Oula, ça rame! J'ai l'élan! J'ai l'élan! Vous avez pas l'élan? Moi j'ai l'élan!